Salut à tous, c'est Kizae et bienvenue pour le début de ce nouveau let's play qui portera, comme vous le voyez à l'écran titre, sur Kingdom Hearts Chain of Memories. Alors, épisode sorti sur GBA et sur PS2, je vous ferai en let's play l'épisode GBA. Pourquoi? Tout simplement parce que l'épisode PS2 je l'ai pas encore fait, et puis parce que je préfère garder une certaine originalité, on va dire. Je préfère garder les jeux d'origine pour ce Kingdom Hearts. C'est pour ça que je vous le ferai sur la version GBA, qui n'est pas dégueu, hein, elle n'est pas dégueulasse du tout, au contraire, c'est une très bonne version. Graphiquement, elle est correcte, c'est qu'elle est très bien. Gameplay excellent, mais vous allez voir un nouveau gameplay, surtout avec tout ce qui est des cartes et tout ça. Franchement, c'est un bon jeu. Je pense que vous allez bien plaire. Alors, on peut régler la luminosité. Bon, je vais mettre clair, parce que voilà, c'est plus classe. Alors, par contre, juste pour le plaisir des oreilles, oui, ça va couper quelques secondes encore, désolé. Mais juste pour le plaisir des oreilles, je vais monter un peu le son. Voilà. Et donc, c'est la suite de Kingdom Hearts 1. C'est l'épisode se passant entre Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2. Et donc, on va y aller sans plus tarder. C'est parti pour la suite de Kingdom Hearts. Go! Et je vous laisse admirer la petite cinématique juste après la sélection du fichier. Bon, on est d'accord, hein, que c'est pixelisé à mort, mais il faut se dire que c'est de la GBA à la base. Et que quand même, qu'ils arrivent à nous mettre un peu des cinématiques de ce genre-là sur GBA, même si c'est ultra pixelisé, faut quand même dire que c'est quand même pas mal. Donc voilà, là on a la suite de la fin là, de Kingdom Hearts 1, quand on voyait Sora, Donald et Dingo partir sur un long chemin, la recherche de Mickey et de Riku. Justement, donc il faut une petite pause sur leur chemin, mais vous allez voir que devant toi se trouve ce que tu cherches. Mais pour l'obtenir, tu perdras quelque chose d'essentiel. Je disais donc, vous allez voir que côté scénario, cet épisode va quand même beaucoup se démarquer du 1, vous allez voir. Ça va commencer. On va dire que le scénario commence vraiment à prendre de l'ampleur à partir de cet épisode-là. C'est vraiment là où il y a un scénario quand même plus recherché, des ennemis et personnages nouveaux, plus attachants aussi. Attention, vous verrez bien au cours du let's play, hein, c'est. Ce Kingdom Hearts-là est vraiment, quand même, je trouve, c'est vraiment là où, on va dire, la saga commence à se démarquer. Alors, non pas que le scénario du 1 était bidon, au contraire, il était très bon, mais c'est vraiment là que le jeu va se démarquer. Bon, graphiquement, je suis désolé, mais rien à redire. C'est très, très beau, graphiquement. On dirait bien qu'il n'y a personne. Tu es sûr qu'on peut entrer comme ça sans prévenir? Il faut bien, si nous voulons retrouver le roi. Le roi Mickey est là. Bon, j'ai arrêté de faire les voix parce que j'y arrive pas du tout. Je ne sais pas trop, mais j'ai un pressentiment. Vraiment? Maintenant que tu le dis, moi aussi j'ai cette impression. C'est vraiment bizarre, moi aussi. Il m'a suffi de regarder ce château et j'ai tout de suite su qu'ils étaient là. Bah ça alors, les grands esprits se rencontrent, on dirait. Taratata, ça ne peut pas être une simple coïncidence. Comment ça, Jiminy? Ne me dis pas que... Moi aussi, j'ai eu cette impression. Oh là là, c'est peut-être contagieux. Ou alors, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. On devrait aller voir. D'accord. Hé, où allez-vous? Je croyais que tu voulais aller voir. Tu as peur ou quoi? Ne dis pas de bêtises, viens Dingo. D'accord, mais on ferait mieux de fermer la porte. Sora?
qui est-ce ? C'est sûrement son cœur. Voyons un peu comment il réagit face à ma magie. Foudre ! Hein ? Bizarre. Foudre ! Foudre ! Foudre, glacier ? Je n'y comprends rien. Pourquoi ma magie ne fonctionne pas ? Ça me semble pourtant évident. Sitôt entré dans ce manoir, tu as oublié tous tes sorts. Et l'amnésie ne s'arrête pas là. Dans ce lieu, trouver c'est perdre, et perdre c'est trouver. Telle est la règle du manoir Oblivion. Oblivion, je sais pas comment on dit. Le manoir Oblivion ? Oui, ici vous rencontrerez des gens que vous connaissez, des gens qui vous manquent. Écoute, il n'y a personne. Riku ! Tu parles de Riku ? Il est vraiment ici ? Souhaites-tu le trouver ? Si c'est le cas... Qu'as-tu fait ? J'ai prélevé un échantillon de tes souvenirs, et j'en ai fait ceci. Voici la clé, la solution qui te permettra de retrouver ceux qui te sont chers. Qu'est-ce que c'est, une carte ? Je dirais plutôt une promesse. Sers-toi de cette carte et hâte-toi. Tu retrouveras ton ami. Prends cette carte pour ouvrir la porte et découvrir un nouveau monde. Manette plus, donc choix d'une carte, là Sora n'en a qu'une. Bouton A, confirmé. Donc voilà, on rencontre un nouveau personnage qui apparemment a prélevé un échantillon de nos souvenirs et a créé un monde avec, qui est donc une sorte de ville de traverse. Alors on va aller voir ce qui se passe. Comme ça ? Oui, va à Sora. Tu perdras pour mieux chercher et trouveras pour perdre encore. Venez les amis, partons. Allez, c'est parti. Ce n'est pas possible. On est dans la ville de traverse. Cette ville n'est pas réelle. Ce n'est qu'une illusion, née de tes souvenirs contenus dans cette carte. Mes souvenirs ? Il y a plus grave, Sora, il manque deux personnes. Bon, désolé si je parle pas pendant les dialogues un peu vides, mais bon. Donald, Dingo, où êtes-vous ? Que leur as-tu fait ? Ils sont à la merci des cartes pour l'instant. Maîtrise les cartes et leur force sera tienne. Allez, petit tutoriel sur le combat. Dans ce manoir, tes ennemis se transforment en cartes. Tu dois collecter ces cartes pour leur redonner vie. Voilà. Vous allez vite comprendre, le gameplay a l'air un peu spécial avec les cartes. C'est clair qu'il change totalement entre Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts Chain of Memories. Le gameplay change radicalement. Vous allez voir que c'est très simple, c'est très facile à prendre en main. Et franchement, c'est un gameplay qui, moi, me plaît vraiment, personnellement. Les cartes collectées se placent au début de ton jeu de cartes. Certains et tes amis viendront t'aider. Donc là, hop, pour utiliser une carte, on appuie sur le bouton A. Les cartes utilisées disparaissent et reviennent plus tard. Ces cartes sont le cœur de tes amis. Ce manoir obéit aux lois des cartes. Devant une porte ou un ennemi, tu dois utiliser une carte. Mais ta force aussi est importante. Alors bouton B sauter et appuyer deux fois à gauche ou à droite pour faire des esquives. Concentre-toi, puis bouge et utilise les cartes. Donc là, il nous dit de marteler le bouton d'attaque, c'est facile. Hein. Bien. Chaque action provoque la disparition d'une carte. Une fois toutes tes cartes utilisées, tu ne peux plus rien faire. Mais il y a une solution. Vas-y, utilise toutes tes cartes, je vais te montrer. Bon, bah on s'exécute. Donc je sais, vous voyez le numéro en bas sur les cartes. Enfin, normalement, ils expliquent ça en temps et en heure. Je vous dirai précisément de quoi il en retourne, au pire. S'ils le disent pas maintenant, je vous expliquerai tout de suite après de quoi il en retourne. Vous en faites pas. Voilà, tu n'as plus de cartes, donc plus aucun pouvoir. Concentre-toi pour récupérer tes cartes.
Ta volonté peut les faire revenir. Bon, alors là, vous laissez le bouton appuyé, hop, pour les faire revenir. C'est la puissance de ton cœur qui a fait revenir ces cartes. Tu peux rappeler les cartes à tout moment, mais leur temps de chargement augmente à chaque réapparition. Tes cartes sont limitées, utilise-les intelligemment. Suis bien l'évolution du combat, et sélectionne les meilleures cartes de ton jeu. Donc choix des cartes, hop. On appuie sur L pour les faire défiler à gauche, et sur R pour les faire défiler à droite. Dans les combats, il existe 4 types de cartes regroupées en 2 catégories. La première comprend les cartes attaque, magie et objet. La seconde, toutes les cartes malus. Tu peux changer la catégorie des cartes que tu souhaites utiliser. Donc là, hop, select pour passer aux cartes malus, et là, tout ce qui est cartes attaque, magie, objet. Les cartes t'aident à attaquer et à te défendre. Mais c'est toi qui décides quand frapper et quand te protéger. N'oublie pas ça. Vous n'avez rien ? Où étiez-vous ? Aucune idée. Quand tu as ouvert la porte, il y a eu une lumière bizarre. Et après, je ne sais plus. Tâchez de vous rappeler ce qui s'est passé. Je dois tenir mon journal à jour. Hé, une minute ! Donald, d'où sors-tu ces nouveaux habits ? T'es aussi dingo, quelqu'un a transformé nos vêtements. Encore un coup des cartes. Ça, c'est à toi de le découvrir. Maîtrise les cartes et explore le manoir. Dorénavant, tu seras seul. On ne peut pas aller avec lui? C'est trop injuste. Oui, Sora ne peut rien faire sans notre aide. Merci beaucoup, Donald. Tu es sûr que ça ira? Évidemment. Tu veux que j'y aille seul? Bien, je n'ai besoin de personne. Le héros ne moque pas d'arrogance. Va, le reste du manoir Oblivion t'attend. Explore ta mémoire endormie et tu rencontreras quelqu'un qui t'est cher. J'ai un mauvais pressentiment. Du calme, dit Minnie. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je suis sur mes gardes. Ça ne doit pas être sorcier d'utiliser ces cartes. Je n'ai qu'à en brandir une devant cette porte. Les actions réalisables sont les suivantes. Manette, bouger. A, utiliser la Keyblade. B, sauter. Pour ouvrir une porte, tu dois la frapper avec la Keyblade. Ça me paraît un peu logique. Mais c'est là où le gameplay de Chain of Memories, est un peu différent. C'est que, voilà, en tapant une porte avec la Keyblade, pour avancer, il te faut une carte lieu. Les cartes lieu servent à créer de nouvelles salles. Choisis d'abord la carte lieu que tu souhaites utiliser. Bon, bah là, j'ai pas trop le choix. Alors, enfin, si, j'ai le choix, justement. Donc, en fait, chaque monde sera divisé en plusieurs salles. Quand vous appuierez sur Select, ça va afficher la carte de la zone. Vous verrez plein de petits carrés, ce qui représente les salles. Et chaque salle, donc, a une porte qui mène à une autre. Chaque porte, justement, doit être ouverte avec un certain numéro. Donc, comme là, vous voyez, je peux ouvrir cette porte avec un numéro, avec une carte qui a une valeur de 1 ou de plus, ou plus de 1. Bon, alors là, j'ai que l'espace sécurisant, donc c'est parti. Le chiffre au milieu de l'écran indique la valeur pour ouvrir la porte. Il précise que la porte s'ouvrira avec une valeur égale ou supérieure à 1. A toi de sélectionner une carte avec la valeur correspondante. La valeur des cartes va de 0 à 9. Les cartes 0 sont des passe-partout. Les cartes sans valeur précisées sont des cartes clés. Donc celles que j'ai en bas en jaune, vous avez vu un petit peu. Elles ouvrent des portes spéciales. Donc celle-ci, hein. Celle-ci c'est une carte spéciale, mais elle est utilisable que pour faire avancer le scénario du monde en fait, tout simplement. Donc là, hop, j'utilise cette carte-ci pour ouvrir la porte. Et voilà, ainsi donc commence notre périple à travers le manoir Oblivion et surtout à travers la ville de Traverse. Alors, dans ce Kingdom Hearts Chain of Memories, on peut faire beaucoup de choses, on peut interagir avec les décors, donc taper les lampadaires, sauter sur les... taper les caisses, sauter sur des espèces de toits, machin. Donc là, j'ai trouvé des boules rouges. Alors, c'est pas pour rien, c'est des points Mog qui serviront à la boutique Mog quand j'aurai une carte pour créer une salle de boutique Mog, tout simplement. Boutique Mog servant à acheter des cartes pour compléter notre deck.
Et là, en sautant ici, hop, ce sont des sphères de vie. Donc les sphères vertes, ce sont les HP. Les sphères rouges, les points de mug. Le diamant qui tourne devant Sora est un point de sauvegarde. Place-toi à côté et appuie sur le bouton A pour ouvrir le menu de sauvegarde. Bon, là, hop, il demande de sauvegarder. L'option sauvegarde rapide permet de sauvegarder à tout moment. Appuie sur Start, choisis l'option sauvegarde rapide et confirme avec le bouton A. La Keyblade sert à provoquer diverses actions. Frappe ce tonneau par exemple. Très bien. Voilà, donc là je récupère une carte potion. Tu peux aussi toucher des personnages avec ta Keyblade. Si un sans-cœur te touche, il t'attaquera. Mais il est possible d'avoir l'avantage en frappant en premier. Comme ceci. Et voilà, nous voici en plein combat. Alors, comme ils l'ont dit, il y a trois types de cartes. Les cartes attaque, les cartes magiques et les cartes objets. Donc les cartes rouges sont les cartes attaque, les bleus les magiques et les vertes les objets ou les alliés. Bon, ça par contre j'aurais peut-être pas dû mettre le stick directionnel, j'aurais peut-être dû mettre juste la croix parce que là je galère un peu pour manier Sora. Donc juste un petit instant. Alors juste un instant, hein. Je sais c'est chiant, mais finalement je vais remettre la croix directionnelle, ça sera beaucoup plus simple pour diriger pour moi. Voilà. Alors, donc là vous voyez que la carte de Dingo a une valeur de 6. Celle des ennemis a une valeur de 1. Donc si ma carte est plus puissante que la leur, je fais un card break et les ennemis sont immobilisés. Par contre, cette action est valable pour moi aussi. Par exemple, si j'utilise une carte, imaginons, alors peut-être j'en ai une, ouais, 0. Bon, là, ils n'utilisent pas, mais si j'utilise une carte de valeur inférieure à la carte de l'ennemi, c'est moi qui suis en card break, et je suis donc momentanément vulnérable aux attaques. Donc ça, il faut faire très attention avec nos cartes, justement, car on peut être facilement en désavantage. Il faut faire extrêmement gaffe. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais c'est vraiment simple. Enfin, c'est vraiment facile, vous allez voir. Donc là, forcément, je n'ai que cette carte-là pour ouvrir. Donc, hop. Donc là, je... Mince. mauvais truc. Là, je vais essayer de taper l'ennemi. Voilà. Bon, après, niveau gameplay, ça reprend vraiment le Kingdom Hearts classique. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai surtout des cartes attaque. Alors, les potions ne me redonne pas de la vie, elle me redonne en fait des cartes attaque normalement. Là, si je les réutilise, voilà, je regagne mes cartes attaque. Bien évidemment, il y a de la magie, vous avez vu que j'ai déjà une carte glacier dans mon deck, ce n'est pas pour rien. La magie est présente, les éléments sont aussi présents, hein, donc si j'utilise glacier sur un monstre glace, ça le régénère. Sur un type feu, par exemple, c'est efficace, etc., etc., etc. Voilà, donc là, vous voyez. Normalement, peut-être si l'ennemi... Voilà, donc là, vous voyez, ma carte marche pas. Vous avez vu, l'ennemi avait une carte 1, 24, et moi j'avais une carte de niveau 1. Enfin, de valeur de 1. Donc ma carte a été battue par la sienne. Bon, là, ce que je fais en haut, c'est stocker des cartes. Alors ça, normalement, c'est le prochain tutoriel qu'on apprend dans pas longtemps. Mais bon, je vous en parle déjà là. Donc ce tutoriel, enfin, stocker les cartons, ça sert à quoi? Ça sert à créer après des magies, enfin des magies non, mais en fait, on va gagner des compétences quand on monte de level. Normalement, je devrais en gagner une dans pas longtemps. Donc là, hop, j'utilise juste la potion pour me redonner des HP. Donc là, j'ai monté un niveau, hein, vous avez vu avant. Voilà, donc ici, j'apprends les tours. Voilà, donc là, j'ai appris la technique rapprocheur, glissade pour attaquer à bout portant. Et donc il faut que je stocke 3 cartes attaque d'une valeur totale comprise entre 10 et 15. Donc ça je vous montrerai au prochain combat. Voilà. Alors. Hop. Alors là faut que je fasse gaffe. 4. Et 3. Voilà, donc là, j'ai stocké ces 3 cartes qui font une valeur de 14. Donc je peux faire la technique. Je m'en prends plein la gueule, je sais, mais c'est pas grave. Donc pour stocker les cartes, appuyez sur L et R en même temps, et pour utiliser la technique, si on a une disponible, c'est aussi L et R. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la première carte stockée n'est plus réutilisable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la rappeler, même si votre compteur de cartes atteint 0.
Donc même si vous faites ceci pour rappeler vos cartes, si vous avez stocké une carte au préalable, la première carte qui a été stockée ne peut plus être rappelée. Hein. Donc il ne faut pas abuser des tours. Sauf si vous avez un deck à l'infini. Hein. Mais bon, en général, on n'a pas un deck à l'infini, malheureusement. Ce qui fait que c'est assez compliqué. Hein. Alors oui, ça aide beaucoup. C'est sûr que ça aide. Les différents tours, ça aide. Hein. Vous en faites pas, c'est pas les seuls tours qu'on va apprendre. Donc c'est sûr que ça aide. Le problème, c'est que voilà, c'est que la carte stockée en premier n'est plus réutilisable. Donc faut faire attention. Par exemple, vous allez voir, là je stocke la carte 7. Bon, c'est pas grave, je vise dans le vent, c'est pas grave. Mais là, si vous faites attention, voilà, je n'ai plus la carte 7. Donc la première carte stockée n'apparaît plus après, même si on recharge. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire extrêmement attention quand vous stockez les cartes. Après, bon bah, c'est simple, hein. Le jeu est simple, il suffit de progresser. Vous voyez, on a chaque salle. On peut interagir avec le décor, donc les caisses, les lampadaires. Certaines libèrent des cartes rares, d'autres non. Enfin, c'est pas toujours, ou même des points mug. Donc après, bah, faut juste avancer, tout simplement. Et progresser. Après, oui, bien évidemment, vous avez vu que là, j'ai récupéré plein de cartes lieux différentes. Alors, je vous expliquerai... Bon, je vous explique au fur et à mesure que j'en débloque. Donc, lieu paisible. Ça crée une petite salle avec peu de sang-cœur. Lieu grouillant. Ça crée une salle avec beaucoup de sang-cœur. Le lieu mollasson, c'est un lieu où les sang-cœurs, leur attaque, donc leurs cartes, ont des valeurs, perdent moins 2 en valeur normalement. Et ici, c'est une zone où les sang-cœurs apparaissent directement sur la carte, mais sont endormis. Alors, je vais juste vous montrer ça. Si je me trompe pas, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Les sang-cœurs perdent en valeur ici. Normalement, vous rappelez les petits monstres de glace, normalement, leur valeur est de 4. Là, vous voyez qu'elle est de 1, justement. Bon, alors, les sang-cœurs ombre utilisent toujours une carte de valeur 1. Donc, les monstres classiques, c'est toujours 1 de valeur maximum. Enfin, de toute façon, ça sera toujours 1. Par contre, les autres sang-cœurs, bah, justement, perdront des valeurs d'attaque. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, ça fait un peu beaucoup mais à assimiler, mais c'est pourtant toute la base de ce gameplay. Ça, c'est vraiment tout au niveau des cartes. Bon. Si vous vous rappelez donc, comme je disais, voilà, normalement vous voyez qu'ils avaient... Le sang-cœur avait une valeur normalement de 4 pour son attaque. Là, grâce à l'effet qu'il y a dans cette salle, sa valeur est réduite de 2. Donc elle passe à 2 justement. Mais les sang-cœurs ne peuvent pas avoir une valeur inférieure à 1. Ils ne peuvent pas avoir une valeur de 0. Par contre, nous, on peut. Et les boss aussi le peuvent, mais les ennemis, eux, ne le peuvent pas. Les ennemis normaux, hein, j'y dis. Donc les sang-cœurs ne peuvent pas avoir une valeur de 0. Et bon, bah après, c'est juste de l'enchaînement, hein, un enchaînement de combat et c'est tout. Sans trop de suspense, hein, sans trop de secrets. Donc niveau 4, vous voyez que ça monte assez vite quand même pour le début du jeu. Non, c'est pas un jeu très compliqué, faut juste bien créer son deck après. Quand on a beaucoup de cartes, faut juste bien créer son deck. Mais c'est pas un jeu qui est très compliqué, hein. Kingdom Hearts Chain of Memories, il est pas compliqué. Après c'est sûr, voilà, il faut bien répartir les levels aussi. Par exemple, il faut pas tout investir dans les HP non plus. Hein, quand vous montez de level, il faut monter les PC pour justement vous permettre d'avoir plus de capacités pour porter plus de cartes. Parce que ce que je vous ai pas montré, c'est que les cartes, votre deck, chaque carte a une certaine valeur en PC. Et justement, si vous voulez ajouter des cartes, donc là vous voyez en haut, j'ai les PC 261 sur 300 maximum. Voilà, donc là, en mettant cette carte potion, j'ai réatteint mon maximum de PC disponible. Qui est de 300, justement. Donc là, je vais juste... Ah mince, j'ai merdé. Donc là, hop, et j'ajoute la carte potion, la carte soin. Donc voilà, chaque carte, comme je vous l'ai dit, a une certaine valeur. Donc ça peut... Pour les cartes attaque, en général, c'est pas beaucoup. Pour la magie, c'est un peu beaucoup, c'est moyennement beaucoup,
Par contre, les cartes objets et les cartes malus qu'on obtient sur les boss et sur certains ennemis en droppant, ces cartes-ci, par contre, demandent un peu plus d'espace. Mais après, elles offrent des effets plus intéressants, bien évidemment. Voilà. Bon, le plan, c'est ce que je vous disais, c'est la carte. On peut faire select pour faire un raccourci. Les cartes lieux, donc c'est les cartes justement pour... justement pour ouvrir les différentes salles. Donc comme je vous ai dit, hein, là sont référencées toutes les cartes lieux et leurs effets. Donc terre d'amitié, carte alliée visible en début de combat. Voilà, donc les cartes de mes alliés, donc Donald et Dingo pour l'instant, apparaissent dès le début du combat. Parce que sinon elles apparaissent un peu aléatoirement au fur et à mesure du combat. Les cartes monde, pour l'instant j'ai que le traverse. L'état, c'est moi, c'est ma santé, enfin c'est toutes les techniques que j'ai. Donc rapprocheur, glacier plus en combinant deux cartes glacier, glacier X en combinant deux cartes glacier, non trois cartes glacier, pardon. Soin plus en stockant deux soins, soin X en stockant trois soins. Duo magique en stockant soit deux Donald, soit trois Donald pour plus d'efficacité. Dingo charge en stockant deux Dingo. Dingo tornade en stockant trois Dingo. Voilà. Le journal, ça sera le résumé de l'histoire. Donc là, j'ai la liste des cartes attaque. Bon, je vous passerai tout ça, c'est pas intéressant. Hein. Peut-être pour pour le scénario, si vous ne vous rappelez plus, peut-être que je vous le mettrai. Ou alors les personnages éventuellement. Mais bon, normalement, grosso modo, vous allez voir, ça reprend beaucoup les mêmes mondes que KH1 au niveau des Disney. Les personnages principaux, c'est les mêmes, hein, Sora, Donald, Dingo, Mickey, Jiminy, Riku, Kairi. Après les 100 cœurs, c'est les mêmes. Il n'y a pas de nouveaux 100 cœurs, que je me rappelle. Non, il n'y a pas de nouveaux 100 cœurs. Et la sauvegarde rapide, comme ils ont montré au début de partie. Voilà. Ensuite, on arrive dans cette porte avec les couronnes. C'est des portes un peu spéciales. Les portes décorées d'une couronne sont spéciales. Pour les ouvrir, tu dois non seulement posséder une carte clé, mais aussi un autre élément important. Il faut une carte clé et une ou plusieurs cartes spéciales. Choisis la carte lieu correspondante pour ouvrir cette porte. Donc là, il me faut une carte d'une valeur de 1 ou plus. Donc on va utiliser celle de valeur 2. Et il me faut la carte clé d'ouverture. Voilà, tout simplement. Dans chaque monde, il y a 3 portes similaires qu'il faudra bien évidemment trouver et avoir les cartes pour ouvrir les portes pour faire avancer le scénario. Combattre seul n'est pas aussi simple que je ne pensais. Ah, ne vous matérialisez pas comme ça sans crier gare. Ce n'est pas notre faute. Nous non plus, on ne sait pas ce qui se passe. Oh, tu avais l'air un peu rouillé. Tu ne veux vraiment pas qu'on t'aide? Ça va, je vous dis. Continue comme ça et tu finiras en chair à son cœur. Léon, c'est toi? Que fais-tu dans le Manoir Oblivion? Le Manoir Oblivion? De quoi parles-tu? On est dans la ville de Traverse. Et comment connais-tu mon nom, toi? C'est la première fois de ma vie que je vous vois. Arrête de plaisanter, Léon. On a battu les 100 cœurs ensemble, tu le sais. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Ah bon? Désolé. C'est insensé. Comment as-tu pu nous oublier? Hé, je regrette, mais tu trompes de personne. Ça arrive souvent, ne le prends pas mal, Sora. Mais, tu sais comment il s'appelle? Une seconde, comment je connais ton nom, moi? Tu crois que Léon se moque de nous? Si c'est le cas, ce n'est pas drôle. Sora a vraiment de la peine. Il se moque de qui, Dingo? C'est toi et Donald qui... Hé! Je ne comprends pas. Qu'est-il arrivé à ma mémoire? C'est bizarre, Léon. Peut-être qu'Aeris avait raison, après tout. Elle a senti un pouvoir mystérieux et nous a demandé d'aller voir. Eh bien, ça y est, on a vu. Et effectivement, c'est très mystérieux. On devrait peut-être amener Sora et les autres voir Aeris. Yuffie, tu sais comment je m'appelle? Bien sûr, et on dirait que tu connais mon nom, toi aussi. C'est un de tes amis?
Non, inconnu au bataillon. Pourtant, je sais comment il s'appelle. Bizarre, certes, mais pratique. On évite les présentations. Ben voyons, Yuffy. Faut toujours voir le côté positif, hein. Bon, moi je vais aller prévenir à Iris. Léon, fais donc visiter les lieux à Sora et aux autres. A plus tard. Bon, allez, on y va, suivez-moi. Mais faites bien attention, il reste beaucoup de sans-cœur en ville. Je ferai bien de vous apprendre à vous défendre. Tu vois le chiffre sur tes cartes? Il va de 0 à 9. Plus le chiffre est élevé, plus la carte est puissante. Lors d'un combat, si ton adversaire utilise une carte au même moment que toi, la carte la plus forte gagne. Vas-y, essaye. Donc là, il a gagné parce qu'il avait 9 et moi 4. Là aussi. Par contre, là, c'était moi. Normalement, avec le 6, lui, il avait 1. Voilà, faut juste taper un petit peu. Tu as compris? La carte la plus élevée brise l'autre. C'est ce qu'on appelle un card break. L'adversaire repousse son attaque si ta carte est plus faible que la sienne. Celui qui perd le card break est temporairement sans défense. Fais attention. Les cartes 0 sont spéciales. Elles brisent celles de l'adversaire quelle que soit leur valeur. Mais pour cela, tu dois attendre que l'ennemi ait joué sa carte. Si tu joues trop vite ta carte 0, ton opposant la brisera avec n'importe quelle carte. Autrement dit, la carte 0 est la plus puissante, seulement si elle est jouée en dernier. A toi de la placer au bon moment. La valeur des cartes est aussi importante lorsque tu crées un jeu. Je vais t'apprendre à stocker des cartes. Dans un combat, tu peux associer 3 cartes pour que ton coup soit plus puissant. C'est ce qu'on appelle stocker des cartes. Cela sert à renforcer une action. Vas-y, essaye. N'oublie pas, il faut stocker 3 cartes, sinon ça ne fonctionne pas. Ouais, alors là, hop, hop, hop. Le total des cartes stockées correspond à la valeur du coup. Cette valeur est souvent élevée et difficile à briser. La combinaison des cartes permet aussi des combos, de puissantes attaques. Vas-y, montre-moi ce que tu peux faire. Alors, à savoir quand même que les cartes, même si vous stockez 3 cartes, l'ennemi peut les briser. Bien évidemment, s'il a un stock de 3 cartes plus élevé que le vôtre, ou avec une carte 0. Bien évidemment, c'est aussi valable pour vous. Si l'ennemi utilise un stock de 3 cartes dont la valeur est par exemple de 27, si vous avez une carte 0, vous pouvez détruire les cartes, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, hop, L et R en même temps pour utiliser les 3 cartes stockées. Stocker des cartes permet donc d'effectuer des attaques combo. En stockant les bonnes cartes, tu peux aussi réaliser des tours. Il s'agit de compétences spéciales activées par des cartes précises. Lorsque tu auras assez de cartes, tu pourras utiliser ces tours. Mais attention, à chaque tour effectué, tu perds la première des 3 cartes sélectionnées pour réaliser ce tour. Impossible de la recharger, elle ne sera disponible qu'à la fin du combat. Bref, si tu utilises trop de tours, tu perdras beaucoup de cartes durant le combat. Tu as tout compris, Sora? Oui, plus ou moins. Ce sera plus clair lorsque je me battrai pour de vrai. Tiens, j'ai trouvé ça par terre, prends-la. N'oublie pas mes conseils et utilise bien tes cartes. Et on a gagné Simba et la clé conseillère. Donc la clé conseillère, c'est une carte pour accéder à la suite du monde. Et Simba, bah, c'est une invocation, hein, comme vous l'aurez compris. Ah oui, les invocations aussi, hein, j'ai oublié de dire, mais les invocations également demande pas mal de PC justement. La carte Simba, je m'en rappelle plus, mais elle demande ouais, 30 PC quand même, c'est beaucoup. Mais on a une carte d'une valeur de 6, sauf erreur. Et donc, comme vous l'aurez sans doute compris, plus la valeur des cartes est élevée, plus elle demande de place dans le jeu. Voilà. Je pense que maintenant vous commencez à saisir tout ce qui est valeur des cartes et compagnie. Franchement, c'est pas compliqué. Au début, on est peut-être un peu largué au début. Après, on s'y repère très vite, on comprend facilement. En tout cas, pour ce premier épisode de Kingdom Hearts Chain of Memories, moi, je vais vous quitter ici. Hop, on se regarde. On a fait environ 30 minutes de gameplay, c'est pas mal. Enfin, environ 35 minutes de jeu, c'est pas mal du tout.
Bref, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous tout le monde, c'était le Kizae. Bye bye.